des images des feux qui nous proviennent de l'hélicoptère de la Sûreté du Québec. L'équipe de recherche et de sauvetage de la SQ a dû secourir plusieurs personnes, dont un groupe de 6 pêcheurs dans le secteur de l'Abitibi. Les pêcheurs étaient prisonniers de la forêt en raison des feux. À SQ-TV aujourd'hui, une édition spéciale en lien avec les différents feux de forêt qui sévissent dans plusieurs régions du Québec. Quel est le rôle de la Sûreté du Québec et des policiers dans une telle opération? Une incursion au cœur même de nos interventions. Ce qu'on vit présentement, c'est du jamais vu dans notre histoire. Plus d'une centaine de feux font rage, principalement dans les régions du nord du Québec. Communauté après communauté déclare l'état d'urgence coup après coup. Les feux ravagent les forêts et menacent les localités. La Sûreté doit se mobiliser rapidement, puis dans certains cas, ça presse. On doit donc passer en mode urgence. Ce que ça veut dire en gros, c'est qu'il y a toute une structure de commandement qui se met en branle pour gérer l'opération. Il y en a du monde qui travaille. Voici à quoi ressemble un poste de commandement à Val-d'Or, qui va coordonner les activités terrain pour tout l'Abitibi, et un autre, cette fois-ci, du côté de Sept-Îles pour les feux qui touchent la côte nord. Chaque secteur touché a son poste de commandement. À Saguenay, il y a un centre opérationnel qui coordonne et fait le lien entre les différentes unités. Et finalement, à Montréal, il y a un centre de contrôle qui assure une planification provinciale. Le travail de ces gens-là, c'est d'identifier les besoins, préparer les plans, de prévoir les ressources qu'on aura besoin, des ressources autant matérielles que humaines directement sur le terrain, et de coordonner tout le boulot. On doit penser aussi à déplacer des unités. Ça va même aller jusqu'à complètement changer les horaires des policiers pour s'assurer d'un maximum d'effectifs. Patrouille mobile. Patrouille mobile, puis être présent, voir. Il faut comprendre que c'est la SOPFEU, les municipalités et la sécurité civile qui gèrent la situation des feux de forêt au Québec. Oui, la Sûreté du Québec est activement impliquée, mais notre rôle en est un de soutien. Ce que ça veut dire, c'est qu'on aide d'abord les municipalités à évacuer ou secourir des gens. Par la suite, on va ériger des périmètres de sécurité ou des points de contrôle, comme celui qui se trouve derrière moi, qui est situé entre le Bel-sur-Quévillon et Sainte-Terre. On fait respecter les lois ou les décrets en vigueur et finalement, on va sécuriser les secteurs évacués. Vous êtes dans une autopatrouille de la Sûreté du Québec lors de l'évacuation de Chibougamau. Faire évacuer les gens, là, c'est pas une mince tâche. Les gens sont souvent désemparés, stressés, apeurés. Police! Y a-t-il quelqu'un? Ou vont craindre de laisser leurs biens derrière eux. On accompagne un groupe de policiers dans la MRC Abitibi-Ouest, près de Nord-Métal, pour évacuer les gens. Généralement, ça va très bien se passer. Mais ça peut arriver à l'occasion qu'on rencontre certaines personnes qui sont plus récalcitrantes. Est-ce que vous venez me causer les ordres que nous, d'abord? Les policiers doivent toujours privilégier la négociation, la persuasion et faire preuve d'humanisme et d'empathie. Ils vont tenter par tous les moyens de les convaincre au lieu de les contraindre. On est ici dans le secteur est de cette île qui a été évacuée. Si vous regardez au loin, vous voyez le panache de fumée, le feu de forêt qui est à environ une dizaine de kilomètres d'ici. Un des éléments qui fait en sorte que bien des gens ont peur de laisser leur foyer, c'est qu'ils vont craindre des vols ou du vandalisme. C'est une des priorités pour la Sûreté de patrouiller les secteurs évacués, comme ici dans le secteur des plages dans l'est de cette île. Dans nos plans d'opération, de nombreuses ressources sont affectées à prévenir les vols ou les méfaits dans les quartiers déserts. Pour être plus fort, on travaille ensemble. On est à l'entrée est de Val-d'Or. Ici, agents de protection de la faune et policiers de la Sûreté du Québec assurent un point de contrôle. De la sensibilisation est faite aux automobilistes, on vérifie les allées et venues, et en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et des forêts, on s'assure que l'interdiction de se trouver en forêt est respectée. D'autres points de contrôle ou de blocage sont tenus dans plusieurs régions du Québec. C'est la force du groupe et le travail acharné d'une foule d'intervenants qui vont permettre de combattre cet ennemi plus grand que nature. Merci d'avoir été là. Si vous avez encore du temps, vous pouvez regarder d'autres vidéos et n'oubliez pas d'aller aimer et de vous abonner à notre chaîne SQ-TV Sûreté du Québec pour ne rien manquer parce que régulièrement, on met en ligne de nouvelles vidéos.